Hey, salut les gens, ici c'est Michael, bienvenue sur Gmite, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueurs et plus y affinités. Aujourd'hui, c'est notre émission CBETA durant laquelle je vous présente un jeu lors de ses différentes phases de développement. Et c'est le cas de Black Gold Online, un jeu développé par Snail Games et édité dans sa version occidentale par Snail Games USA. C'est parti. Après la création des avatars, maintenant je vais vous montrer à peu près de quoi a l'air votre tableau de bord, c'est-à-dire l'interface de jeu, qui vous aidera beaucoup dans votre progression et dans votre aventure dans ce jeu. Alors ça c'est les activités. C'est qu'au fur et à mesure que vous faites vos quêtes, etc., on vous donne des petites récompenses. Ce genre de là, vous gagnez ces points-là en faisant des quêtes bien sûr, ou bien en tuant des boss, comme là. Vous pouvez arranger un petit duel avec le Butcher. Et c'est ce serait un affrontement de groupe. Vous pouvez, je clique dessus, mais non, je vais pas le faire maintenant parce que ça va un peu m'embêter si je reçois l'invitation, alors que là, on est juste pour parler, nous sommes là, pardon, juste pour parler de l'interface. Mais vous pouvez bien entendu, vous aligner pour pouvoir aller affronter The Butcher. Voilà, le Metalhead, tout ça, d'accord? Et là, on vous, ces chiffres-là, c'est votre puissance de frappe liée à votre équipement. Ils appellent le Might Score, un peu comme dans World of Warcraft avec le Gear Score. Là, c'est là, donc ce sera lié. En fait, c'est lié non seulement à votre équipement, mais également à votre niveau. Et le jeu le calcule pour pouvoir vous donner une idée à peu près par rapport à vos affrontements. Là, par exemple, j'ai 5980, et donc je pourrais aller faire ce genre de combat-là, ces deux-là. Alors, donc, vous avez d'autres activités. Il y en a beaucoup, hein. Ça ne m'étonne pas parce que dans Age of Wushu, il y avait déjà pas mal de choses à faire. Donc ici, ils ont repris justement le principe. Et voilà mon personnage dans le jeu. On va encore au niveau de l'équipement. Ouais, ils ont fait des beaux boulots, j'aime bien le style. Il a l'air un peu triste, mon cœur. Mais voilà. Ça, en fait, ça, c'est cet élément-là. Qu'ils appellent... Enfin, c'est une puce énergétique que vous pouvez faire évoluer, etc. Et donc, ils l'ont représenté ici. C'est bien, hein, c'est pas mal du tout. Ils ont quand même fait du bon boulot, faut avouer. D'accord? On a beau ne pas aimer leur manière de gérer leur jeu au niveau SAV, comme je l'ai mentionné dans l'autre vidéo, mais au niveau, quand même, graphique, c'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est un jeu au niveau des combats, c'est un jeu d'action. Hybride, c'est un jeu d'action hybride. C'est-à-dire que vous pouvez frapper dans le vide sans avoir besoin d'avoir une cible, d'accord? À part certaines, bien entendu. Mais ici, vous voyez que je peux frapper dans le vide comme ça avec mes habilités, etc. Avec mes buffs. Voilà, et donc c'est pour cette raison que vous avez très peu d'habilités ici. Ok, comme dans les jeux d'action. Je vous le rappelle, normalement, quand un développeur conçoit son jeu pour qu'au niveau du gameplay, ce soit de l'action, ils font en sorte que vous n'ayez pas trop regardé au niveau de la barre. Parce que l'action, justement, se passe devant vos yeux. Donc en face, contrairement aux jeux où les combats sont classiques, et à ce moment-là, on va plutôt regarder sur le délai de récupération des habilités, si elles sont prêtes, etc., etc. D'accord? Voilà. Alors, donc, on a tout ça. Là, ce sont des buffs, généralement. C'est pas vous qui les placez sur le jeu directement. En fait, ces emplacements sont vraiment liés à ces habilités-là. D'accord? Ici, ça, c'est pour l'emplacement des potions et tout ce que vous voulez comme sorte de potions. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Wallstar, quand je parlais de l'interface... Regardez ça. Ils ont également le même système de... qu'on appelle ça, de set d'habilité. C'est-à-dire de configuration d'habilité. Ok, vous avez jusqu'à 3. C'est-à-dire, vous pouvez changer vos bulles, on va dire. Je sais pas, il faut que je trouve un terme français pour expliquer ça. Pour éviter d'utiliser tout en bulles. Donc, vous avez un peu plusieurs manières de vous battre, d'accord? Par exemple, là, ça c'est ma configuration pour faire juste des quêtes, etc. Sinon, vous pouvez faire une configuration pour les donjons et une autre pour le PVP. Et là, on peut même vous suggérer des habilités qui sont vraiment liées au PVP. Enfin, qui peuvent vous aider en PVP, etc. Bien pour les instances. Voilà. Ok, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous les placez ici, ainsi, etc. Et puis, à vous de voir ce qui marche le mieux par rapport à votre style de combat. Mais on regardera ça plus en détail dans la vidéo consacrée au gameplay, justement. D'accord? Alors, et voilà. Ensuite, vous avez votre... N'oubliez pas, hein, c'est un jeu steampunk. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir piloter une machine, même plusieurs machines, lorsque vous avez les moyens ou d'en avoir beaucoup. Et c'est dans... Attendez, c'est dans R, normalement.
Et ça c'est une de mes machines. Que je peux faire évoluer. Mais il me faut plusieurs. En fait, il faut des critères. Par exemple, en fait, c'est une machine qui est surtout liée au PVP. Quand vous allez pouvoir faire les affrontements sur les grandes zones, vous allez avoir besoin de machines. Et donc, c'est pour ça que votre faction vous a offert une comme ça. Vous pouvez en avoir plusieurs, comme vous pouvez le voir ici. Les faire évoluer. Cette manière-là. Le prérequis, c'est qu'il faut que vous progressiez en PVP. Même si vous pouvez utiliser ces machines-là en PVE. On en regardera dans la vidéo consacrée au combat, d'accord? Mais c'est, voilà. On va sortir de là. Et donc, vous pouvez en avoir plusieurs. C'est pour ça que si j'en avais une deuxième, je pourrais apparaître là normalement, etc. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est les cadeaux habituels. Hein. Quand vous connectez, on vous en donne. Merci beaucoup. Juste pour vous encourager. Et quand vous progressez, ça c'est... Ah, j'ai tout pris. Je suis pas encore 40, moi. Voilà. J'ai déjà niveau 22. Donc, je resterai à 25. Ils m'en donneront d'autres. Etc. Et apparemment, j'ai un autre cadeau ici. Voilà. Ça fait 5 minutes que je suis connecté. Merci beaucoup. Ça, c'est le suivi des quêtes. Ensuite, la fiche du personnage. Donc, le truc habituel, hein, l'emplacement de vos habilités. Ça, c'est votre puce dont je vous ai parlé, que je vais mentionner ici. Là, voilà. Ensuite, votre arme, etc. Là, ce sont vos caractéristiques. Là, on vous précise que votre caractéristique principale par rapport à cette classe-ci. La classe, c'est le Punisher. C'est un tank, en fait. On pourrait comparer au Templier ou Chevalier. Plus Templier, ouais. Dans les autres MMO de cette style-là, au niveau des classes. Ensuite, vous avez la réputation. Monture. Ouais, j'ai une monture aussi. Attendez, je vais changer mon build. Voilà. Donc, c'est une moto. Mais il n'y a pas d'histoire d'accélération, malheureusement. Mais par contre, vous pouvez faire ça. Avec la barre d'espace. Attendez. Voilà. Non, voilà. Monte-leur! Voilà. Je pense qu'on peut même cabrer en même temps. Attendez. Est-ce qu'on peut faire... Non, ah, je peux pas. Je pense qu'il y a une manière... Ouais, ça c'est un peu... Voilà, ça c'est bon. Par contre, c'est pas l'autre race qu'ils ont comme monture. Je pense que ce sont des animaux. J'en ai vu dans une activité où on peut faire des courses. Voilà. Mais peut-être que j'aurai le temps de vous montrer justement cette activité-là. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon, on était là. Donc la monture, les titres, etc. Il y a certains titres qui vous donnent des effets, comme par exemple là, puissance physique et magique, plus 10, etc. Tout dépend de ce que vous allez découvrir et déverrouiller ici et là. Qu'est-ce que je vais vous montrer à peu près ce qui est intéressant, d'accord? Niveau profession. Là, c'est un peu comme dans... Non, pas. C'est pas aussi élaboré que dans Age of Wushu, hein. Ici, en fait, vous pouvez juste avoir. En fait, vous avez le droit à un seul métier. Malheureusement, vous pouvez pas en avoir trois. En fait, il vous suffira. En fait, si vous voulez changer de métier, il faut vraiment abandonner l'autre. Et puis, voilà. D'accord. Donc, vous récupérez les ressources. Ensuite, vous avez des chances, des probabilités de recevoir tel ou tel objet. C'est vrai que c'est la même qualité, mais c'est juste le nombre qui change et parfois les effets. Par exemple, si je prends celui-là, vous voyez que je peux en avoir 5, 10, 15, 25. Donc, c'est le jeu qui décide. Même là, au niveau de la qualité. On va voir celui-là. Ou je peux tomber celui-là. Ou alors celui-là carrément. Ce serait génial, mais bon. C'est pas si on peut influencer celui-là. J'ai pas encore découvert ça. Mais vous voyez que c'est que ça marche. C'est assez motivant, on va dire. En espérant de pouvoir le faire. Ça fait penser justement à Diablo 3. Justement, quand vous fabriquez vos objets, vous avez la probabilité d'avoir un objet légendaire. De tomber sur un objet légendaire, pardon, quand vous en fabriquez. Donc, c'est à peu près le même principe ici. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, je voulais vous montrer ça. C'est F8. Non, ça c'est... Voilà. F8. Vous vous souvenez de la puce? Comme je disais, vous pouvez la faire évoluer, en fait, ça passe par ici. Il faut ces éléments-là, et vous avez vos caractéristiques qui augmentent. Les caractéristiques données par la puce en question. J'ai même une quête qui me demande de la faire monter, mais bon. L'ennui, c'est que ces ressources-là sont également utilisées dans l'artisanat, donc il faudra bien choisir quel moment les utiliser. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer des spéciales? Ah ouais, les aventures, attendez. Donc, vous avez les champs de bataille. Je peux aller en solo. Vous avez les arènes.
Pour l'instant, c'est juste arène 1 contre 1. Voilà, c'est des 1 contre 1. Je sais pas s'ils vont en racheter d'autres types. Mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo, d'accord? Consacré au PVP. Ensuite, ça c'est pas intéressant. Vous avez des aventures. Généralement, ce sont des aventures solo ou bien en groupe. Comme par exemple là, c'est pour l'affronter. En fait, c'est des histoires de vagues. Vous allez dans une espèce de zone fermée, extensiée, et vous devez combattre les ennemis par vagues jusqu'au boss final, etc. J'ai même une quête ici qui me la demande également d'aller jusqu'à la vague 6. Et il y a une autre qui me demande d'aller jusqu'à la vague 18. Celle-ci. C'est la même en fait, mais apparemment il y a d'autres mobs après le premier boss. Voilà, donc ça c'est une course en fait. Compétition, grand prix. Mais ça c'est fixé, c'est à partir de 18h seulement. Les 18h, 18h30. Là vous pouvez, ça c'est pas encore valable, etc. Ok, oh, c'est pas mal au niveau des activités, il y en a beaucoup. Hein. Attendez, problème avec mon tapis de souris. On va y arriver, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez... Oh. C'est qui est PVP. Justement, c'est ici que je dois faire augmenter mon rang en PVP pour pouvoir faire évoluer mon robot, là. Là, c'est pour entrer dans... En fait, ça, c'est un champ de bataille. Genre, je sais pas c'est quoi le nombre, mais il faut beaucoup de monde. C'est quoi ça, 11 contre 2? Contre 2, c'est pas ça. C'est quoi ces histoires? Ah ouais? J'avais fait attention qu'il y avait juste deux en face. Non, je pense pas que ce soit ça. Mais bon, en tout cas, c'est, je vous montrerai ça dans une autre vidéo, d'accord? Vous voyez de quoi ça a l'air. En fait, c'est une espèce de mode conquête. De récupérer des points, les garder le plus longtemps possible, tout simplement. Et là, vous pouvez utiliser justement des robots, des machines pour repousser les autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a les instances. Le mode difficile et le mode simple. Donc, vous en avez plusieurs. Je peux déjà aller jusqu'à celle-ci. Et je peux la faire jusqu'à... Vous pouvez la faire jusqu'à 8 fois par jour. On peut le voir ici. Et c'est réinitialisé tous les matins à 4 heures. Heure du serveur, normalement. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Il y a, bien entendu, hôtel de vente. Et il y a ce qu'ils appellent, il y a un système qu'ils appellent les sables du temps. Alors, qu'est-ce que c'est? Au fur et à mesure que vous jouez, vous gagnez des points, en fait, des points de trésor par rapport aux vos activités. D'accord? Et avec ces points de trésor-là, vous pouvez acheter souvent ces sables du temps. Tiens, je vais en prendre un. Et plus le prix est élevé, plus ce que vous pouvez recevoir comme cadeau est élevé. Par exemple, celui-là, il y a 2000, on va prendre celui-là. Voilà, on peut juste en avoir deux par jour. On va prendre celui-là aussi. Sinon, je peux également attendre. Attendre que celui-ci finisse, d'accord? Save stamp au niveau du délai. Et comme ça, ce sera de meilleure qualité normalement. On va prendre celui-là. Lui, il est quoi? C'est du vert, hein? Vert. Ah, j'avais du blanc. Mais le vert, c'est... le blanc, c'est pas de bonne qualité. On va prendre du vert. Donc, plus vous allez jouer, plus vous pourrez avoir l'opportunité d'avoir des sables de temps de couleur violette, par exemple, ce serait pas mal. Mais il faut jouer pendant longtemps, quoi. Voilà, donc vous avez ça. Là, il faudra attendre demain pour que je puisse en avoir. Alors, ce qu'ils expliquaient, c'est que lorsque vous avez deux choix, en fait, pour pouvoir éclore je sais pas comment dire ça, parce que ça va pas avec le mot sable. En tout cas, ouvrir ces deux objets-là. Soit vous choisissez gain. Là, à ce moment-là, vous aurez l'opportunité d'avoir un objet comme ça. Voilà, vous faites raffiner. À ce moment-là, vous aurez plutôt des ressources d'artisanat. Donc, ce sera à vous de voir ce que vous voulez. Pour tout ce qui est venture, je n'avais pas encore vu. Peut-être pour les VIP. C'est pas, en tout cas, voilà ce que ça donne. Et donc, on va fermer ça. On va ouvrir l'inventaire et on va choisir gain. Vous pouvez cliquer ici. Ensuite, choisissez gain. Donc, ce sera un objet, une pièce d'équipement. Qu'est-ce qu'on a eu? Oh, ça c'est bon, ça. C'est bon? On va identifier. Il vous faut ce genre d'objet-là. Vous pouvez acheter auprès des marchands. Ok, c'est mieux. Bon, ouais, en fait, c'est un bijou. On va la remplacer avec quel bijou?
On l'a remplacé avec Sentry Accessories. C'est Sentry, c'est ça. Il est où le Sentry? Ah là, lui. On va prendre lui. Là, vous voyez mon Mighty Score diminue. On met celui-là. Un petit lag quand ça fait parce qu'il faut qu'il recompte. Et apparemment, j'ai eu un offert et une récompense. Voilà. Ouais, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que au fur et à mesure que vous atteignez un palier de Might Score, donc de puissance de frappe, on va dire, eh bien, on vous donne une récompense. Mais c'est des petits objets qui vous permettent, qui sont utilisés pour votre robot, par exemple celui-là. Donc, c'est ça que ça fait. Donc, j'ai eu un truc qui me concerne. Ça, c'est du tissu, donc ça m'intéresse pas. Ça, c'est du armure légère, enfin, intermédiaire. Armure intermédiaire. Donc, si jamais vous n'êtes pas intéressé à utiliser un objet parce que ça ne sied pas à votre classe, etc., vous pouvez soit le vendre dans l'HV, dans l'hôtel de vente, soit alors le désassembler. Ainsi, vous allez récupérer des ressources. Donc, ce qu'il faut faire, c'est cliquer ici, désassembler. Faites comme ça, et vous avez des cristaux bleus. Qui sont très, très importants pour toutes sortes d'objets. Ah ouais, c'est vrai, il faut que je... Voilà. Et on fait ça. Boum, donc j'ai eu 3 cristaux. On va désassembler celui-ci aussi. Et lui. Et voilà comment ça se passe au niveau du désassemblage. Donc on peut tout classer par ordre, etc. Ou alors séparer les objets. Donc c'est à peu près tout. Je peux vous montrer qu'est-ce qu'il y a encore de spécial. Il y avait les activités, je vais parler de ça, je vous ai parlé de ça. Et je pense que tout ça qui est intéressant. Vous pouvez également quitter, mettre votre personnage en pause et vous allez gagner des points d'expérience, mais pendant 2 heures. C'est à peu près un principe qui est également dans Age of Ushu, mais ici c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être VIP pour pouvoir en bénéficier. Mais ça dure juste 2 heures par jour, vous avez le droit. Voilà. Ouais, je pense que c'est à peu près tout. Ça, c'est vos stats au niveau bataille PVP. Mais bon, mais c'est pas... Ah non, c'est pas... Attendez. Ça, c'est... Ils ont mis un DPS Meter. Ah ouais, non, c'est bon, pas mal. Voilà. Vous connaissez, hein. Vous savez, c'est l'espèce d'add-on qui permet de générer des statistiques par rapport aux dégâts que vous faites. Ou aux soins que vous faites, que vous générez, etc. Donc, c'est déjà intégré ici. C'est bien. Et c'est à peu près tout. Ça s'est passé en mode PVP ouvert, donc vous pouvez affronter d'autres factions si jamais vous voulez croiser. Voilà, ça c'est au niveau de la danse. 104 ms pour l'instant, 35 fps parce que j'enregistre, sinon ça monte par exemple à 45-60. Dépendamment des zones, parfois à 65. Voilà, c'est tout. C'est à peu près tout ce que je peux vous montrer d'intéressant, on va dire, d'accord? À ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, merci de votre... Bon, vous posez encore la question, c'est quoi l'intérêt? C'est pour ne pas avoir à chercher lorsque vous allez devoir, par exemple, vous aurez des détails, comme je l'ai dit, vous demanderont d'améliorer ça. Et il y en a beaucoup qui posent des questions aussi. Comment on fait pour améliorer ça? En fait, il faut passer par F8. Voilà, il faut le savoir, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est toujours bon. Comme ça, vous perdez moins de temps et vous pouvez aller combattre, etc. D'accord? Donc voilà de quoi ça a l'air. C'est assez bien fourni, il y a beaucoup d'activités. J'espère que j'aurai le temps de vous en montrer pas mal. C'est sûr que je vous montrerai une session de donjon, PVP, arène, et puis champ de bataille, genre très large. Et puis, il y aura quoi? Système de combat. Puis, c'est à peu près tout, je pense. Donc, merci de votre patience, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et comme d'habitude, n'encouragez pas la médiocrité. Oh, attendez, je veux quand même, attendez. Oh. Voilà. Da-da-da-da. Allez, on se retrouve une prochaine fois. Ciao.